Eric a ramené ça. Il devait déplacer sa voiture, je pense, ce matin à 8 h. Et du coup, bah, voilà, petit pain au chocolat croissant. Salut, nouveau vlog, lundi matin. Presque. Il est 11 h 30. Ma robe est ouverte, je n'arrive pas à la fermer. Eric est parti au lycée. Donc j'attends que bah, mon papa, Sylviane, arrive pour leur demander. Ça fait bien, c'est. Bonjour, il y a moyen de me fermer ma robe? Bon, c'est pas grave, mais c'est chiant quoi. Avant, je crois que j'y arrivais. Mais là, elle se bloque, elle se grippe. Ça se trouve, on va même pas réussir à la fermer. C'est pas grave, je me changerai. Je suis allée faire ce matin un petit tour dans la courette pour voir un petit peu l'état, l'odeur surtout du calendrier de l'Avent. Et bah, l'odeur est toujours autant, voire même peut-être plus présente. Je suis embêtée. J'avais envoyé un mail hier à la personne avec qui je suis en contact pour la collab, donc chez Jiffy. Qui m'avait répondu, t'inquiète pas, c'est l'odeur de la peinture, mets-le près d'une fenêtre, ça partira, mais ça part pas du tout. Donc je sais pas. Là, au moment où je vous parle, je ne sais pas si je vais tout ouvrir, ce qui m'embête, ou parce que je ne vais pas pouvoir non plus laisser ce calendrier pendant 30 jours dehors, s'il pleut, s'il neige, si l'humidité, le carton, à un moment donné, ça va se ramollir. Je ne sais pas. Ce midi, ça y est, je suis contente. Nous avons réservé le restaurant. C'est un restaurant que je suis allée une fois et je vous avais pas vlogué. Je crois que j'avais fait peut-être des captures d'écran, genre de trucs pour Insta. C'était un petit resto qui a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il y a peut-être 2 ans, je sais pas, 1 ou 2. Et super bon. Donc voilà. Et bah, j'espère que je pourrai facilement vloguer. Vous avez vu? Lui, il s'en fout, il est là comme ça depuis ce matin, mon bébé. Bah oui, on attend, hein, mon poussin. Toi, tu t'en fous, tu sais que tu vas rester, allez, 6 heures, dans la même position à peu près. Je vous reprends bien plus tard, 3 h 56, ils viennent de partir. Je vous ai pas pris avant, hein, forcément, on a parlé, il y avait tellement de choses à se raconter. Entre son exploit que je vous racontais hier, les photos, les vidéos, tout ça, donc c'était très sympa. C'était un peu rapide ce midi parce qu'Eric, il nous a rejoint, il recommençait à 14 h au niveau du resto. Mais voilà, on a passé un bon moment. Je vous montre ce qu'ils m'ont ramené de Bali. Je vous explique parce que vous allez rien comprendre. Je vous avais dit que mon papa, il y a 3 jours, avait fait le Kilimandjaro en Tanzanie, mais avant. Ils étaient pendant deux mois, je crois, à Bali, chez ma sœur. Donc voilà, pour resituer un peu les choses. Donc ça, c'est ce qui vient de Bali. Alors, nous avons ce sac. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la boutique, donc à Bali, ou Bouddha. Et réciproquement, on se suit en fait sur Insta. C'est là que tu te dis que les réseaux, c'est absolument dingue, à l'autre bout du monde. Alors, tu me connais bien, Sœurette. Donc ça, c'est un petit carnet. C'est très européen, hein. Je l'aime beaucoup. C'est tout à fait mon style de petit carnet avec des feuilles roses. Tiens, j'en avais pas. Je vais pas oser mettre quelque chose, enfin écrire quelque chose, tellement c'est joli. Une très grande plaque, en fait. Rose et gris, ça se marie bien ensemble. Je sais pas encore où je vais la mettre. Ah, j'avais pas vu. On a le petit ruban. Ah, bah oui, forcément. Pour attacher, ça va aller dans mon bureau, ça très certainement. Donc, hop, on met ça ici. Ensuite, un ananas en bois rose, carrément dans mes couleurs. J'adore. Pina colada. C'est pour Eric, ça, pina colada. Ensuite, gros coup de cœur, je vous montre tout de suite. Oh, j'aime trop. J'aime énormément cette figurine en bois. On dirait le petit lapin d'Alice au Pays de Merveilles. En plus, il y a le cœur. Moi, j'ai l'impression que ce soit inspiré de ça. Je vais l'installer. Ici ou ici, ça va être parfait. Qu'est-ce qu'il est beau! C'est un petit mobile en fait. Nous avons le même ananas, donc plus en doré, jaune, qui n'est pas pour moi, celui-ci. Une autre figurine en bois. Qu'est-ce qu'elle est belle! Très chic aussi. Oh, j'adore! Très très beau, hein, le bois, tu le vois de près. Ça aussi, ça rend bien, qui n'est pas pour moi non plus, celle-ci. Également, Léonidas. Oui, ça vient pas de Bali, ça. Ils l'ont ramené, je sais pas, ils ont dû l'acheter dans le coin. Des petits chocolats. Bon, je vous montre vite fait, mais je crois que ça a bien tapé dedans déjà.
Qu'est-ce que ça sent bon. Waouh. J'allais oublier le petit porte-clés. C'est un petit coussin. Comme ceci. Bali. Adorable. Et toi, viens avec moi. Ça m'a l'air plutôt sympa. Bon, tu sais quoi, en attendant, je vais te mettre ici. Il y a moyen que ça change, mais voyons, petite vue générale, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop aligné non plus. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, je l'ai ressorti, mais c'était ce qui m'avait ramené aussi la dernière fois. On est carrément toujours dans les mêmes tons rosés. Une noix de coco travaillée, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Et je la mets là, dans ce meuble à chaque fois. Et parfois, j'ai aussi des petits colliers, parce qu'ils font beaucoup de colliers, de bracelets. J'adore tout ce qui vient de Bali, c'est tellement beau. Je me suis pris un petit apéro, truc que je fais assez rarement. Et il était... C'est pas qu'il était fort, mais il était fort, si, en fait. Et j'ai pas l'habitude, il m'est resté là. C'était bon sur le moment, mais j'ai mal à digérer le petit whisky coca. Vu qu'il est déjà 4h, la luminosité pour faire un tournage, pas terrible, et comme je veux pas reprendre mes éclairages pour le moment, je vais continuer, je pense, mon calendrier de l'Avent et les petits cadeaux. Tout est là. Enfin, tout est là. Non, il m'en manque encore. Il manque pas mal de petites choses. Que je regarde là-dedans, là, dans tout ce que j'ai matériel, notamment création et tout, si j'ai pas du papier emballage, papier cadeau, pour commencer, et puis faire les indices aussi. Alors, je n'ai pas de papier cadeau, ce qui veut dire que je vais aller à la foire fouille. Parce que je sais qu'ils en font plein, c'est pas cher. Et puis, ça va me faire sortir plutôt que de rester encore là. Je vais y aller. Ouais. Par contre, il faut que je vous montre un truc trop mignon. Enfin, je sais pas. Je lui ai mis, vous savez, sa petite souris avec dedans, il y a 2-3 croquettes. Et je l'entends, il joue avec. Au passage, ambiance rideau. C'est autre chose. Coucou! La souris! Les croquettes sont dedans. Allez! Voilà! Ça, c'est quand il s'énerve. Mais va la chercher, ta croquette! Ah, voilà! Petit temps très sympathique. La farfouille derrière moi. Bon, je pense que je vais trouver. Mon bonheur là-bas, hein, c'est quasiment sûr. Regardez. Est-ce que vous voyez le gars là? Qui me regarde. Ah, oh, bah fais pas genre. Hein. Tu me regardes pas alors que tu me regardes. Bah oui, cache-toi aussi. Hop. On va essayer de pas se faire écraser. Parce que je vois que dalle. J'ai ma capuche qui me tombe devant les yeux à chaque fois. J'avoue qu'à la foire fouille, ce que j'aime bien, moi, c'est que tu as plein de trucs pour faire des créations aussi. Par contre, ils ont vraiment un coin enfant, mais très très joli. Hein. Je me demande parce que ça a l'air pas mal ça quand même. 6,99 pour mettre dans mon entrée. Par contre, c'est 70 pour 80 et fait un peu pierre. J'aime bien. Vous reconnaissez? Purée, on dirait mes gâteaux. Pardon. Bon, j'ai été hyper raisonnable. Je n'ai pris que du papier. Pour le calendrier de l'Avent. Ceci. Oh, ils sont bien. Je ne sais pas ce qu'ils valent parce que des fois, c'est vrai, certains papiers, ce qui est chiant, c'est que tu mets du scotch et ça ne tient pas. Bon, on verra. Premier réflexe en rentrant. Je m'équipe avec Serge. Vous avez reconnu Serge Lama. Toujours aussi sombre. Je vais allumer. Wow. Quoique. Ah non, attends, ils sont en train de déménager. Ils vont boire. Oh. Je sais pas ce que j'ai foutu aujourd'hui avec mes cheveux ou alors je me suis pris la flotte. Ouais, donc je vais commencer. Et je vais surtout tester. Voir si le papier est de qualité avec le scotch. Je vais pas trop pouvoir vous faire vous montrer parce que. La personne à qui je vais l'offrir va voir. Regarde mes vlogs, à moins que je lui dise de ne pas regarder. Mais comment faire confiance, hein? Hop. Allez-vous me voir? Oh, c'est pas possible, hein, lui. Je l'ai entendu arriver. Tu veux aider maman? Qu'est-ce qu'on est bien là-dedans? Mais qu'est-ce qu'on est bien? J'ai qu'une hâte tout à l'heure. Parce que je continue. Ah oui! Donc, hier, j'ai regardé...
Alors après les deux films de Noël que je vous ai dit qui étaient pas mal vraiment, celui d'hier c'est quoi? Un prince charmant, un truc comme ça. Bon, beaucoup plus enfantin, bon, ça se laisse regarder. Hein. Après quand t'es dans le mood, tu sais à quoi t'attendre, on est vraiment dedans. Mais à un moment donné, je vais plus en avoir. Il me semble que sur M6, ils en font aussi en replay, il faudrait que je regarde. Je vais déjà me finir tous ceux qui sont sur Netflix et puis voilà. Gratouille, gratouille. Alors, nous avons besoin de scotch, nous avons besoin de ciseaux. Ah, je crois que les ciseaux, je les ai vus, mais je ne sais plus. Putain, où est-ce que j'ai pris les ciseaux? Ah, c'est chiant. Je crois que je les ai filés à Eric. S'il avait besoin, là. C'est bon, j'ai retrouvé mes ciseaux. J'avais accusé Eric, mais pas du tout. C'était moi, c'était sur ma coiffeuse, vous savez pourquoi? Parce que je me coupe la frange. Bah oui, je fais toute seule, il n'y a rien de bien... Bien compliqué. Allez, c'est parti. Alors déjà, j'ai fait les 25 étiquettes. J'ai fait 3. Il y en a 3 qui sont déjà installées. Et ça va bien m'avancer pour le reste. Je l'ai mis là. À chaque fois, je le mets là. Je le tends. C'est plus simple pour mettre les indices. J'ai mis le premier, ce sera comme ça, hein, sous forme de petits papiers que je regroupe. Et je continuerai demain. J'éteins, hop, youhou. Et je prépare à manger. Ça aussi, je vais descendre ma tasse. Attends. En fait, je vais éteindre mon ordi. Voilà, allez, go. Bien calme ici. Alors ce soir je vais faire le reste, hein. J'avais mis au frigo les petites pâtes avec un peu de les marrons qui restent et ouais, je sais pas, je vais voir si je me fais un truc avec, j'ai faim et j'ai pas faim, c'est bizarre. C'est tellement bon les pâtes réchauffées. Et j'ai rajouté des œufs. T'es d'accord avec ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est qui est dans ta maison? Eric! Il n'entend que dalle, papa. Hein. Je lui ai demandé s'il veut un ou deux œufs. Ou pas du tout. L'avantage avec un casque, c'est qu'il n'entend pas toutes mes conneries. Bébé, pour Noël, je voudrais un week-end spa. Voilà, c'est dit. N'aie pas peur. C'est moi. Tu veux des œufs ou pas? Non, merci. Non? Au fait, bébé, si je fais des crêpes, ça te dira? Eh ben, je vais aller acheter ce qu'il faut. Ça voulait dire quoi le... Regarde sur internet comment faire. Oh, mais je sais le faire. Hein. Une bien jolie assiette, dites-moi. Eric est en train de jouer, il mange après, je ne l'attends pas. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Toujours dans le suspense de mon calendrier de l'Avent, mais demain ce sera déterminant pour moi. Si vraiment l'odeur... Alors j'ai vu qu'il y en avait, vous m'avez suggéré, genre de... Si vraiment l'odeur est pas possible, de tout enlever et de déstocker quelque part et de vous montrer jour pour jour. Mais pareil, à savoir, est-ce que les choses qui sont dedans vont sentir? Donc je prendrai ma décision demain. Quant à son avenir, à ce petit calendrier, enfin ce géant même calendrier. Je vais manger et puis je vous fais un gros bisou. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. On se dit à demain, ça va? Allez, bonne soirée et puis... On va se mater un petit peu des films de Noël. Salut.